Il s'agissait de la dernière touche au plan de restructuration du conglomérat industriel allemand Siemens. Elle s'est matérialisée vendredi par l'annonce de la suppression de 7800 emplois dans le monde. Pour Siemens, qui fabrique aussi bien des trains que des turbines, cette réduction des effectifs permettra d'économiser environ 1 milliard d'euros qui seront entièrement réinvestis dans la croissance, affirme la direction du groupe. Ce plan social représente 2% des 343 000 salariés de la multinationale. Mais derrière cette annonce, il y a un certain équilibre, comme nous l'explique cet analyste. Parallèlement à l'annonce de ces suppressions de postes, les chiffres des nouvelles embauches publiées depuis 12 mois chez Siemens font état de 11 000 recrutements de nouveaux salariés. Donc il s'agit bien du maintien du status quo. En tout cas, les effectifs nets ont en fait augmenté. Pour le président du directoire de Siemens, Joe Kaeser, qu'on voit ici avec des salariés, cette restructuration a deux objectifs. Ramener Siemens sur le chemin de la croissance durable et combler l'écart de rentabilité avec ses concurrents. La marge bénéficiaire de l'activité industrielle de Siemens est tombée bien plus bas que celle de ses rivaux, le Suisse ABB et l'Américain General Electric.